la princesse Salomé est belle ce soir. La lune a l'air très étrange, on dirait une femme qui sort d'un tombeau. Elle ressemble à une femme morte, on dirait qu'elle cherche des morts. Even
des ombres sur la muraille, des images de chaldéens, tracées avec des couleurs. S'est laissé emporter à la concupiscence de ses yeux, et a envoyé les ambassadeurs en chaldéen. C'est de ma mère qu'il parle, mais non, princesse. Si, c'est de ma mère. Oh, est-ce elle qui s'est abandonnée au capitaine des Assyriens? Et sur la tête des tiares de différentes couleurs. Où est-ce elle qui s'est abandonnée aux jeunes hommes d'Égypte qui sont vêtus de lin et d'hyacinthe et portent des boucliers d'or et des casques d'argent et qui ont des grands corps? Se lever de sa couche d'impudicité, de sa couche incestueuse, afin qu'elle puisse entendre les paroles de celui qui prépare la venue du Seigneur, afin qu'elle se repente de ses péchés. Quoi qu'elle ne se repentira jamais, mais restera dans ses abominations. Dites-lui de venir, car le Seigneur a son fléau dans la main. Il est terrible, il est terrible. Ne restez pas ici, princesse, je vous en prie. Ce sont les yeux, ce sont les yeux terribles. On dirait des trous noirs laissés par des flambeaux sur une tombe sur une tire. Des cavernes noires d'Égypte où les dragons trouvent leur asile. Ses péchés.
est arrivé aux oreilles du Seigneur. Parle encore, Yokonan, ta voix m'enivre. Princesse, princesse, princesse. Mais parle encore, parle encore, Yokonan, et dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Ne m'approchez pas, fille de Sodome, et couvrez votre visage avec un voile, et mettez des cendres sur votre tête, et allez dans le désert chercher le fils de l'homme. Battement les ailes de la mort. Princesse, je vous supplie de rentrer. Ange du Seigneur Dieu, que fais-tu ici avec ton glaive? Qui cherches-tu dans cet immonde palais? Le jour de celui qui mourra en robe d'argent n'est pas venu. J'y parle. Dans le monde. Ne me parlez pas, je ne veux pas t'écouter, je n'écoute que les paroles du Seigneur Dieu. C'est le tes cheveux
ne faut pas profaner le temple du Seigneur Dieu. Tes cheveux sont horribles, ils sont couverts de boue et de poussière. On dirait une couronne d'épines qu'on noble ses yeux d'enfant. On dirait un homme serpent noir qui se tortille autour de tes épaules. Je n'aime pas tes cheveux. Thank you.
N'est-ce pas que la lune a l'air très étrange? Cherchant des amants partout. Elle est nue aussi, elle est toute nue. Les nuages cherchent à la vêtir, mais elle ne veut pas. Elle se montre toute nue dans le ciel. Elle chancelle à travers les nuages comme une femme. Cherche des amants, n'est-ce pas qu'elle chancelle comme une femme ivre? Elle ressemble à une femme hystérique, n'est-ce pas? Non! La lune ressemble à la lune! C'est tout! Rentrons! Vous n'avez rien à faire ici! Je resterai manassé, périté des tapinas, allumer les flambeaux, apporter les tables d'ivoire et les tables de jaspe. Mais le si est délicieux, je boirai encore du vin avec mes hôtes. Aux ambassadeurs de César, il faut faire tout honneur. Ce n'est pas à cause de que vous restez. Oui, l'air est délicieux. Hérodias, nos hôtes nous attendent. Ah, j'ai glissé dans le sang. C'est un mauvais présage, c'est un très mauvais présage. Pourquoi y a-t-il du sang ici? Cadavre, que fait ici ce cadavre? Pensez-vous que je sois comme le roi d'Égypte qui ne donne jamais un festin sans montrer un cadavre à ses hôtes? Enfin, qui est-ce? Je ne veux pas le regarder! C'est le joli Syrien que vous avez fait capitaine il y a 3 jours seulement. Je n'ai donné aucun ordre de le tuer. Je pense qu'il s'est tué lui-même. Pourquoi? Je l'ai fait capitaine. Je ne peux pas le savoir, mais il s'est tué lui-même. C'est étrange qu'il se soit tué, le jeune Syrien. Je le regrette beaucoup, car il était beau, il était même très beau. Il avait les yeux très langoureux. Je me rappelle que je l'ai vu regardant Salomé d'une façon langoureuse. J'ai trouvé qu'il l'avait un peu trop regardé. Il y en a d'autres qui la regardent trop. Son père était roi. Je l'ai chassé de son royaume et de sa mère qui était reine. Vous avez fait une esclave, Hérodias. Ainsi il était ici comme un autre. C'est pour cela que je l'ai fait capitaine. Je regrette qu'il soit mort. Enfin, pourquoi t'ont laissé le cadavre ici? Il faut l'emporter ailleurs. Je ne veux pas le voir. Emportez-le. Il fait froid ici, il y a du vent ici. N'est-ce pas qu'il y a du vent ici? Mais non! Il n'y a pas de vent! Mais si, il y a du vent et j'entends.
entends dans l'air quelque chose comme m'a demandé le gigantesque. Ne l'entendez-vous pas? Je n'entends rien. Je ne l'entends plus moi-même, mais je l'ai entendu. C'était le vent sans doute. C'est passé. Mais non, je l'entends encore. Ne l'entendez-vous pas? C'est tout à fait comme un battement d'aile. Je vous dis que ni rien, vous êtes malade. Faire, c'est du vin. Salomé, venez boire un peu de vin avec moi. J'ai un vin ici qui est exquis. C'est César lui-même qui me l'a envoyé. Trempez là-dedans vos petites lèvres rouges. Et ensuite je viderai la coupe. Je n'ai pas soif d'être vainque. Vous entendez comme elle répond votre fille. Je trouve qu'elle a bien raison. Pourquoi la regardez-vous toujours? Apportez des fruits. Vous entendez ce qu'il dit à votre monde? Vous le laissez la suite.
dit votre nom. Vous êtes mon épouse, et vous avez commencé par être l'épouse de mon frère. C'est vous qui m'avez arraché à ses bras. En effet, j'étais le plus fort, mais ne parlons pas de cela. Je ne veux pas parler de cela, c'est à cause de cela que le prophète a dit mon épouvant. Que dit à cause de cela, va-t-il arriver? Yes.
ma couronne, sur mes dieux, tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai, plus à la moitié de mon royaume, si vous dansez pour moi. Oh, Salomé, dansez pour moi. J'espère l'esclave de ma parole et ma parole.
je paie bien les danseuses, moi. Toi, je te paierai bien. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Thank you.
pas cela. Vous me dites cela seulement pour me faire de la peine, parce que je vous ai regardé pendant toute la soirée. Eh bien oui, je vous ai regardé pendant toute la soirée. Votre beauté m'a troublé. Votre beauté m'a terriblement troublé. Et je vous ai trop regardé. Mais je ne le ferai plus. Que malheur arrive.
Pourquoi ne crie-t-il pas, cet homme? Ah, si quelqu'un cherchait à me tuer, je crierais, je me débattrais, je ne voudrais pas souffrir. Frappe! Frappe! Et le dernier palais, elle ne dit rien maintenant, Yokana.
Cacher la lune.
Tu es cette femme